Et ils sont là. Bonjour YouTube, bienvenue dans la suite de nos aventures sur Bannerlord avec le seigneur Aragorn. Alors, vous allez être surpris parce que d'un épisode à un autre, il y a beaucoup de changements. Je voulais pas vous faire passer les moments de VOD un peu chiants où on farm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On était seigneur pour l'Empire parce que... Eh bien, pour une simple et bonne raison, voyez-vous. En fait, j'ai fait une erreur. Parce que moi, en fait, à la base, j'étais Vlandien. Et en fait, j'ai signé pour l'Empire. Et ben, c'est un viewer qui m'a fait me rendre compte que je m'étais finalement trompé. Alors du coup, on a quitté la faction. Je me suis refait un peu d'argent. J'ai acheté deux commerces, du coup, chez les Cusaïdes. Plus le troisième qu'on avait acheté déjà au début. Donc maintenant, on a une forge de fer, on a aussi une bijouterie, plus le premier commerce qu'on a fait, je sais plus ce que c'était du tout. Et on a une caravane. Aussi, on a construit une caravane, ramené des compagnons, on est monté à 120 pour pouvoir avoir en tant que qu'armée qui nous suit. Donc, ça y est, maintenant, on est chez les Cusaïdes, on est seigneur, pas encore de château. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui dans cette VOD, sans perdre de temps, on va continuer la campagne. Bien évidemment. Bien sûr, je vous invite à mettre un pouce bleu, hein, partager, et à surtout nous rejoindre sur Twitch pour passer un bon moment de qualité. Je vous rappelle que ce stream est interactif, bien évidemment. Toutes les décisions sont importantes, notamment les décisions si on doit... Là maintenant, quand on va capturer un seigneur, vous pourrez décider si on l'exécute ou pas. Déjà, ce sera le chat. On fera un tribunal. Le chat pourra voter. On pourra choisir si oui ou non on exécute le seigneur. Et encore une fois, grâce aux points de chaîne, pendant les batailles, vous allez pouvoir voter pour savoir si je vais gagner ou non, les tournois aussi. Et si c'est le cas, eh bien, vous aurez des points de chaîne. Vous pourrez me faire faire, bah voilà, le point d'exclamation pompe, dos, squat. Et me faire faire des exercices pendant le stream grâce à la caméra de sécurité qui est juste en haut, voilà. Allez, on est parti. On continue l'aventure d'Aragorn. Alors... On en était où? Je crois qu'on est en train de faire une quête. Il me semble. Pas du tout. Voilà, il faut escorter une caravane. Donc, on va l'escorter. On va voir si ça nous fait un peu d'argent. Sinon, on arrêtera ça. On a 6000 parce que j'ai racheté du coup... le commerce. Salut Babylone, comment vas-tu? Merci à toi de revenir, ça me fait plaisir. Les seigneurs sont sur ce stream, bien sûr, vous le savez. Quand vous êtes sur ce stream, vous êtes automatiquement un seigneur de ce stream. D'accord? Vous faites partie de ce royaume JSF. Vous êtes un seigneur parmi ce royaume. Et ça, ça me fait plaisir, c'est cadeau, c'est de ma part. Alors, on va faire monter les archers. En fait, le but là, c'est de choper les seigneurs un peu en loose dé. Comment dire? Alors là, je fais clic droit pour voir un peu... Je vais voir ce que ça va nous faire, c'est des lanciers. Je crois qu'on va faire des lanciers, ce serait pas mal. Les lanciers sont plutôt sympas. Donc voilà, plein de lanciers. Nomade, on va voir ce que ça peut nous faire. Fantassin, ça va faire des... Alors, il faudrait qu'on ait beaucoup de troupes aussi. On va faire un fantassin. Des fantassins, directement. La forme, j'aime bien te regarder, c'est super interactif cette fois. Fais gaffe, je vais voter, prépare-toi. Je t'en prie Babylone, je t'en prie, tout à fait, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Et toi, tu t'en sors bien? Ça va? Est-ce que l'autre jour c'est bien passé? D'ailleurs. Est-ce que sur le stream c'est bien passé? Est-ce que les viewers ont été sympas? C'était pas nombreux, hein, on n'en avait pas beaucoup, mais... J'espère qu'ils ont été cool, bien évidemment. Mais n'hésite pas, tu vas pouvoir participer. Et comme je disais, tu pourras même participer au fait d'exécuter ou non les seigneurs qu'on trouvera. Bien sûr. Alors... Là on va faire des légionnaires, voilà. Je veux pas mal de légionnaires. J'aimerais vraiment avoir une bonne armée. En fait là, le truc c'est qu'on est très nombreux, on a 120 bonhommes. Mais à chaque fois ce sont qu'un peu des recrues, etc. Donc ils sont pas... Il y a du nombre, mais il n'y a pas la force. Et c'est ça qu'on veut. Donc du coup j'aimerais avoir une armée un peu disposée de beaucoup de... Comment dire, de fantassins qui puissent faire un mur devant... Et protéger les archers qu'on mettra derrière une ligne d'archers qui va nous permettre... Parce qu'on en a pas beaucoup hein, d'archers, vous voyez que... Il va falloir que j'en recrute. Parce que c'est un peu la galère là, c'est un peu la loose. Hein. C'est un peu la pauvreté de l'archer là. Donc on va essayer de monter tout ça. Et d'avoir pas mal d'archers.
ça serait plutôt sympa. Les pillards et tout, bon bah ceux qui meurent on reprendra pas après derrière hein. Mais ça peut servir si on peut les vendre. Voilà, 2000 on va payer, donc on redescend à 4000. Donc on va faire cette petite mission. On peut peut-être même aller casser la gueule à nos amis juste en face. Donc là, on fait les fantassins. J'ai eu pour ma première sur Steve et tes viewers sont très gentils avec moi. Bon, bah très bien. Non, ils sont cool. Puis la communauté Bannerlord est plutôt sympathique. Donc ça, ça fait plaisir. Dites-moi si vous entendez beaucoup la télé dans le retour du micro. Peut-être quand je parle, vous l'entendez. Mais quand je parle pas normalement, vous ne devez pas l'entendre. Alors, on va aller lui parler, bien sûr. Aragorn, salutation. Alors, qu'y a-t-il ? On m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Il y a une véritable reconnaissance de malandrins dans ces derniers temps. Je ne sais pas si les seigneurs sont partis guerroyer ou autre. Tout à fait, c'est la guerre. Mais les voyageurs ne peuvent plus faire 3 pas en dehors d'une ville sans se faire agresser par des bandits de chemin. J'ai bien envie de mettre sur pied une nouvelle caravane, mais je crains qu'elle fasse prier avant même que je commence à engager des profits. C'est pourquoi je cherche de bons guerriers capables de l'escorter jusqu'à qu'elle n'ait... On rallie quelques colonies. Est-ce qu'il a un autre moyen ? Bon, il aimerait que... Un peu la télé. D'accord. Sorry. Chérie ? Il est un peu fort. Quand tu peux mettre un casque ? Super fort. Voilà, j'ai demandé. Si c'est possible. Après, oui, si tu veux mettre un casque, si tu rigoles ou quoi. Faut pas que ça te dérange, bien sûr. Je vais demander à mes compagnons, non, on va le faire nous-mêmes. On va l'escorter comme ça, ça nous fera guerroyer un peu sur la route. Normalement j'ai vidé, voilà, j'ai vidé, j'ai de la place dans l'inventaire. Donc on y va, c'est parti, on va suivre la caravane. Alors oui, il faut que je remonte le son du jeu. J'ai quelques problèmes avec le fichier du jeu. Je réglerai ça. Allez. Donc là c'est parti, c'est pas très marrant mais bon, il faut qu'on les suive. C'est l'affaire de quelques temps. J'espère juste qu'on va pas aller en territoire ennemi. J'ai pas envie qu'on se fasse marrer la gueule si on tombe sur 1000 bonhommes d'un coup. Hein. Ah ! Ça commence, c'est la guerre. Très bien. Quoi ? Mais comment ça ? Mais... Ils se sont fait plier ! Mais si vite ! Ah non, mais j'ai pas eu le temps ! Mais... J'ai même pas pu intervenir. 60, 70. Est-ce qu'on les plierait pas? Je vais les plier. Nous n'avons rien contre vous! Mais j'ai un problème avec vous, brigand. Vous m'avez fait perdre de l'argent. Vous ne prendrez jamais vivant. Bon là, certes, c'est des cavaliers, mais... C'est pas des soldats. Donc il y a moyen de leur casser la gueule. Donc on va faire une formation, et on va les attaquer, on va les défoncer. D'accord? Je préconise un cassage de fion. Mais dans les bonnes formes, bien sûr. On va tester nos nouvelles cavaleries, nos nouveaux archers, nos nouveaux soldats. Ce qui serait bien, c'est qu'ils aient tous des boucliers, qu'on puisse faire des murs de boucliers. Ça va bien faire chier l'ennemi. Je vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Parole de JSF. Ah oui ! Alors. Footman ! Ah oui ! Beaucoup de fantassins, effectivement. Mur de bouclier. Derrière, les archers juste là. Très bien. On a des archers à cheval. Et on doit en avoir. On a 11 cavaliers. On va les mettre là. Et on va mettre nos archers cavaliers juste ici. Et c'est qui eux? Qui sont ces gens? Très bien. Prêt. Soldats, préparez-vous. Ça va devoir chier. Est-ce que vous êtes avec moi, soldat ? Est-ce que vous êtes prêt ? Je ne vous entends pas, soldat !
Bien. Pour le royaume Kuzaïd, pour la vengeance des caravanes. Nous allons leur foncer dessus et les casser en deux. N'ayez pas peur. Allez. Les cavaliers. Occupez-vous d'eux. Aucun okay, soldat n'est tombé, il y a des murs de boucliers, pour l'instant c'est parfait. Ils sont en train de se faire attaquer. Mais si mes archers sont tombés, c'est pas grave. Ouf, j'ai pris une mauvaise flèche. Ah, ils sont résistants, les cons. Ok. Ça chie. Merde, je l'ai pas fait voter. Ça va, c'est... Bon, pour cette bataille, c'est pas grave. Je vais vous faire voter tout de suite. Des excuses, bien sûr. N'hésitez pas à voter. Gérer la prédiction. Commencer. Vais-je gagner? Commencer la prédiction. J'ai compris. Tac. Hop. C'est parti. J'espère que les cavaliers s'en sortent mieux. Ouais, ils ont l'air de détruire du bonhomme. Ok, c'est eux que je veux. Allez, un cercle autour des... autour des archers. Lui commence à casser les couilles à mes bonhommes. Je veux mes cavaliers. Faut un peu gérer tout ça. Au début, c'est beaucoup de commandements aussi. Au début d'une bataille. Pour être sûr que les troupes s'en sortent bien. Une fois que tout le monde s'en sort bien, c'est parfait. Regardez lui sa tronche, regardez sa tronche. Loupé. C'est totalement loupé. C'est du zéro. Nul à chier. On est en train de les défaire. Ils sont en train de se barrer. Hein. Les ennemis s'enfuient. Tu t'enfuiras pas toi. On a gagné. 6 morts, bon. Ah, une garde de caravane, ça peut servir. Hein. Non. Ouf. Oh, on va se faire des thunes. Ah, c'est des pilotes de caravane en même temps.
Ça peut rapporter de l'argent tout ça. On continue. J'ai gagné mais je peux pas rester, amuse-toi bien et bonne suite. Merci à toi Babylone, bon après-midi. Et bah je te donne tes points tout de suite de toute façon. Je valide. Choisir la réponse. Voilà. C'est terminé. Bon du coup, on a perdu les hommes donc on va les recruter. Putain je perds de l'argent du coup. Hein. Un nomade, y a pas de problème. C'est pendant quoi que j'ai mis? Si vous rejoignez une bataille dans laquelle vous trouvez monté dans les lignes de colis, ben là, très bien, excellent. Du coup, un autre village. Les rébellions, ça arrive tout le temps. Recruter des troupes. Tac, tac, tac. Merde, un de trop. Bougez plus. Reculez, étranger, à moins que vous vouliez des ennuis. Ça ne me dérange pas, brigand. Rendez-vous ou mourrez. Vous ne nous prendrez pas vivants. Très bien. Alors allons-y, que la guerre commence. Que la bataille soit rude. C'est mes archers ça? Ah ouais? J'en ai autant? Et qui sont ces autres personnes là? Non mais allez pas faire la guerre vous. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Soldiers. Move. On avance avec les boucliers. Et les arbalétiers. Soldiers! Move! Move! Yeah! On envoie la cavalerie. Ils sont en train de se faire soulever les brigands là. Voilà. Terminé. C'est parfait. On s'en fout des pillards. Je pense qu'ils ont. Je comprends pas que mon économie ne fonctionne pas par contre.
j'ai pas de fief, on est d'accord. La poterie sans... C'est Artongar qui fait chier. Les villes avoisinantes, Ransam, Mivanjan, Urujan. Et Home Truck, ça appartient à quoi? Château de Kimni. Et eux, ils font du bois, hein. On est d'accord. Il y a plus de poterie. Bon, le clan, tac. Autre. Je peux pas faire autre chose. Ah. Des huiles. On verra. Alors quotidien, moins 357. Incroyable. C'est bien, on perd beaucoup d'argent, c'est nickel. Bon étranger, la peste est avec vous. Comment vous appelez-vous? Mon nom est Aragorn, monsieur. Puis-je vous demander le vôtre? Je suis Bagbayar, un marchand d'Ortonga, chapeau Z et Benisteri ici. Merde, t'es mon concurrent, je connais votre nom, j'entends dire que vous aviez rossé les bandits récemment. On dit que vous aviez besoin d'aide. Allez, on va escorter. Commerce. Ah, oh, ça fait de la thunasse quand même. $4,000. C'est bien ça. Juste acheter un peu de bouffe par contre. Un peu de viande. Et de la bière bien sûr. Et je m'en vais. Alors. Là. Putain. Allez, on va le défendre. C'est parti. Vous pouvez bien sûr voter, savoir si je vais gagner ou non. Vous avez une minute. Que la bataille commence.
Merde. Alors. On est prêt. Dégage. T'es content de prendre comme ça à moi, toi ? T'es tout seul, mec. T'es gagné. Incroyable. Addiction. Tac, chose de la réponse. Oui. Je m'en fous de ça. Bam. Voilà. Bon, on va continuer cette quête de caravane. On est reparti. Attaquer. Ça va chier. Ça chie très fort. Voilà qu'on les retourne. Pas le choix. Okay. Infantry, move! Shields up! Soldiers! Forward! Cavalry, forward! Horse on move! Ils arrivent. Accourez-vous, soldats! Je les vois arriver.
Défonçage de cul. Ils sont vénères leurs fantassins à la con quand même. Tu vas où toi? Voilà, reste là, nom de Dieu! J'ai les cavaliers qui sont un peu démontés. Ils ont l'air de s'en sortir. Qu'ils avancent. Mort. Ouais, ça sort bien quand même depuis tout à l'heure. Hein. Et ils se sont enfuis les salauds. Ils n'arrivent pas à se mettre en cercle, apparemment ils savent pas ce que c'est qu'un cercle, les gars. Ah, c'est bien, ils ont géré. Mais encore un qui résiste. Il est mignon. Ah bah, il s'est fait déchirer. C'est fini. Impeccable. Bon, on s'en fout toujours. Parce qu'on sait qu'ils ont gagné, ça on veut bien récupérer.
Bam. On a des blessés, mais tout va bien. On tient bon. C'est une bonne chose. Ils vont à Makeb. On va pouvoir commercer, nous, en attendant. Ces missions pour récupérer de la thune aussi, c'est quand même pas mal. On récupère de la merdouille. Mais... Et bram, 9000 déjà. Partir. Elle est là! Mais... Ah merde, c'est AIM! Oh, je me suis planté de caravane, j'ai confondu... Oh mais quel idiot que je fais, sans déconner... Bon allez, capture un seigneur... Je vais te donner des mecs.
pas l'impression que la caravane nous rapporte des thunes, mon cher ami, mais bon. Ah voilà, c'est ça. Fantassin, faut que j'en fasse. Voilà. Non, qu'est-ce qu'il fait? Tireur d'élite, c'est pas mal, hein. Bon, maintenant, ce qu'on veut, c'est casser les fions. Pour casser les fions, on est en territoire ennemi. Et trouver de l'ennemi à combattre. Moins 550. Je perds plus d'argent, moi. Hein, c'est... c'est bien, de plus en plus j'en perds. Il y a combien d'hommes en tout là? Je n'ai pas famille. Comment vous appelez-vous, étranger? Mon nom est Aragorn. Puis-je connaître le vôtre? Monsieur Aragorn des Alquites. Je suis sûr que vous avez déjà entendu mon nom dans les récits. Nous portons le nom d'une douce de fils de la Grande Louve, la mère des Kozaïdes. Sachez que si vous l'oubliez, on finirait comme carcasse pour les chacals. Ok, je vais partir. Aider les défenseurs. Ça va faire. Ça va leur faire les... Ça va leur faire les balls à mes défenseurs. Si on défend le château, ils vont être contents, tu vois. Ah, c'est bien, vous défendez. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Footman, move!
comprends pas. Troops! Forward! Move! Infantry! Move! Raise your shields! Cavalry! Move! Ah, seigneur, ça. Quel bordel! Quel bordel! Sans mes hommes. Oh, ce bordel sur le champ de bataille. C'est un sacré bordel, les gars.
On y va. Voilà, faut qu'on continue à tourner en rond, mes hommes, je sais pas où ils sont toujours. Groupe d'Aragorn. J'ai pas de mort chez moi. Par contre, on est en train de les déchirer chez eux. En train de s'enfuir, on est d'accord. Oh là là, ça déchire sec. Les batailles sont rudes, mais les batailles sont bonnes. À quel hein? Ah, il est rentré celle-là.
Putain, on est en train de les déchirer. On était plus nombreux que. Le seigneur qui a engrangé ça, il va le regretter, mais très très fortement à mon avis. Alors, eux ils viennent on sait pas d'où. Tout son combat les met encore. Hein ? Oula, ils envoient les troupes sans armure, c'est pas bon ça. Ça sent le fiacre pot. Ouais. Ouais, ils sont terminés. Dragon, c'est bon, on n'a pas de mort. Ah, les archers par contre et tout, ça peut être sympa. On les recrute après. Là, 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 de la matière première. Impeccable. Est-ce qu'on a capturé un seigneur ? Si on a un seigneur, je te coupe la tête. Direct. Pas de discussion possible, il a attaqué le château. C'est pas négociable. Je prends, je coupe. Yusukan, c'est qui Yusukan? Là qui me disent que c'est bien, je l'ai aidé, qu'il est content. Monchung. Robe du seigneur. Aragorn, cela faisait longtemps. Alors qu'y a-t-il? M'a dit que vous avez besoin d'aide. Notre guerre contre les Azeris se déroule plutôt bien, mais certains disent que tout cela manque de panache au vu de l'argent dépensé. Ce stade d'une victoire écrasante nous ferait le plus grand bien. J'aimerais bien voir notre bannière flotter au sommet des tours du château de Tamnout. Exactement, c'est pourquoi je vous offrirai la somme de 20 000 deniers si vous parvenez à vous emparer du château en moins de 60 jours. C'est comme étant le plus débrouillard, je pense que vous pourriez y arriver avec un peu de courage, de chance et de bénédiction des cieux. Puis-je dire à mes seigneurs que vous le ferez ? Il est où ce château ? Du coup, je vais couper la tête à un max de seigneurs sur ma route et puis. On va s'occuper de ça. Attends, on va vendre déjà tout ça. Merci. Ok. Ouais. Terminé. Bam. Hmm.
partir. Ah, il va les casser les fions, lui. Totalement les casser les culs. Bon. Pas encore des tunas, hein. Ramsam, Mivenjan, Urujan. Urujan, Ramsam, Mivenjan. Mouton. Mouton, cheval. Ok, mouton, cheval, vache. Mouton, cheval, vache. Mouton, cheval, vache. Mouton. Tolkien, par des mains ceci. Hein. Fisnar, Ulan, Asagil. Fisnar, Ulan et Asagir, c'est où? Donc, c'est quoi ça? C'est du lin. Lin, mouton, cheval. Lin, mouton, cheval. Lin, mouton, cheval. C'est une nidrie. Yep là. Votre visage ne m'est pas familier. Comment vous appelez-vous, étranger? Je suis Aragorn, qui êtes-vous? Je suis Razanna, nous faisons partie des Azeraïtes. Je suis persuadé qu'une personne de votre stature sait qu'il n'y a rien de plus important. Ouais, vous savez que nous sommes en guerre. Rendez-vous ou mourrez. Vraiment? Bien entendu, rendez-vous, battez-vous. Je ne me rendrai pas, faites ce que vous avez à faire. Je vais te couper en deux. Je vais te couper en deux. Oui, pour pas que je te chope. Parce que si je te chope, je te coupe en deux. Voilà. Je te prends et chlouk, je te coupe. Ça va être extraordinaire, ça va être incroyable, ça va être magnifique. Votre bataille va commencer. Ça va être rude. Ça va pas être facile. Je veux que mes hommes fassent face. Préparez-vous à la bataille.
bataille sera longue. Et c'est pour l'honneur et pour la pognon. On veut du pognon, nom de Dieu. On veut du pognon. Préparez-vous. Ils arrivent à notre rencontre. Et voyez-vous, il y en a qui est parti tout seul cet abruti. Un mort. On prend le dessus. Ouais, c'est gagné. Un soleil rouge va se lever. Et je veux les autres avec moi. Horsemen, follow me. Allez, suis-moi, cavalerie. Je vous attends, je suis parti un peu plus vite que vous si je vais tout seul. Moi sur le flanc. Sont-ils si nombreux? Ils arrivent, ça y est. Move!
Faut bien que je les garde à l'œil. Salut Arnaud, t'as la forme et toi? Excuse-moi, j'étais très concentré là, j'essaie de pas faire le con sur ma tactique d'attaque. C'est reparti. Allez, tout le monde me suit. Cette bataille est rude. Ça bouge pas les masses, hein. Infantry, forward. On se positionne. Move. Soldiers. Forward. On attaque tous ensemble. Au combat. Malade, mais ça va, qu'est-ce qui t'arrive, Arnaud? Ouh, mille instincts! Voilà mon cul, les gars! Allez, confronte-toi, mes guerriers, vas-y! Ah! Ah! Sous les archers. Cavalier. Attack! Horse archer! Kill them all! Footmen! Move! Troops! Allez! Là, j'ai des soldats résistants. T'es malade de quoi, du coup, Arnaud? Là, j'ai des cavaliers qui tombent, c'est grave. Pense à se déchirer la gueule. Allez les archers. Laissez-les se battre et vous rentrez dedans.
Je crois qu'ils sont en train de se tirer hein. Ils supportent pas la défaite là. Tu te barreras pas, je vais te couper la tête, j'ai dit. Si on capture le seigneur, on fait quoi? On va faire un petit tribunal. Ça y est. Ouais, je pense que c'est gagné hein. C'est fini. Il est fini. Ça sert déchiré. Quoi, il est résistant ce con. Oui. La victoire pour le peuple. C'est bien, compagnon. Bien joué. Au revoir à tous. On a essuyé quoi, 13 morts chez nous? Oh, on a chez eux. Je propose qu'on coupe des têtes. On va éliminer des seigneurs déjà, voilà. Ça va être assez rapide. Comme ça, ils n'ont pas le temps de refaire des armées. À faire chwing chwing direct immédiatement. Je propose. Accordez-moi les honneurs de la guerre gagnés en prestige. Vous êtes mon prisonnier maintenant. Je suis à votre merci. Alors, on va couper les têtes. Yes. Ah. J'ai trop recruté en troupe, je crois. Barrez-vous. Barrez-vous. Pillard, barrez-vous tous, oui. Après, prisonnier, on a des prisonniers. Et ça là, rendez-moi tout ça, nom de Dieu. On va faire de l'argent. Alors, je propose qu'on rentre chez nous. D'accord. On va aller revendre tout ça. Allez, où je cours? Moins 400, hein, incroyable. Pas grave. Voilà. Commerce. Je vais me faire de la thune.
10 000, merci beaucoup pour guerroyer, c'est parfait. J'apprécie grandement. Hop. Vous avez été jugé coupable. Donc, monseigneur. Hop. Non, là. Qu'on vous coupe la tête. Voulez-vous exécuter Razana? Exécuter un prisonnier aura un impact négatif sur votre réputation. Nation avec sa faction, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Exécuter. Qu'est-ce qu'on fait? On les pardonne. On y coupe des têtes. Hésite. Pardonnez. Ouais, je fasse un tribunal avec vous. On va organiser un tribunal avec le chat. On va garder avec nous pour l'instant. On va receler les prisonniers. On va sauvegarder. Allez, sauvegarder. On y va. Je vous remercie d'avoir regardé le stream. Je vous fais des bisous. YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Salut Olé. Incroyable. Une grande victoire. Il faudra suivre la suite des aventures pour savoir si on va garder en vie Razana ou l'exécuter. Beaucoup de plaisir. Ça sera à vous de faire le choix. Des bisous. Je vous souhaite une excellente après-midi et sûrement à ce soir. Bisous tout le monde. Ciao. Et victoire au peuple.